Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nini. On se retrouve pour une vidéo, box. Donc on fait une petite box avec Nani de la chaîne Nani. Je vous mets en commentaire, en lien en fait, son... Je vais y arriver. Sa chaîne YouTube. Donc après notre petite box de Noël, on s'est dit bah pourquoi pas, on a discuté toutes les deux, on s'est dit pourquoi pas s'en faire une, voilà, dans l'année de temps en temps on va s'en faire une, en à peu près 3-4, on s'est dit ça, voilà, sans pression, sans rien, avec des petits thèmes. Donc là on a fait un thème couleur chacune. Moi je vous laisserai aller voir sa vidéo à elle pour voir la couleur que je lui ai choisi, mais bon, c'était pas très clair la couleur, donc j'ai choisi. Enfin, moi je trouve, j'ai un peu merdé, j'ai chié dans la colle hein, pour cette première box de l'année. Donc du coup, bah, j'ai tout ça là, j'ai tout mis... Alors désolé pour les bruits environnants, c'est les enfants qui sont en train de jouer aux dinosaures. Donc du coup, voilà, j'ai tout ça sur ma table. Alors, par contre, moi je lui ai fait 6 paquets, mais elle a triché. Là, il y a au moins une dizaine. Il y a... Voilà, le papier cadeau déjà il est magnifique, franchement c'est vraiment trop joli. Elle a mis des petits mots sur chaque petit paquet que moi j'en ai fait quelques-uns mais j'ai pas tout fait. Je suis déçue de pas lui avoir écrit, enfin je lui ai écrit un petit mot mais j'ai oublié de lui transmettre ce petit mot. Donc oh, charge de revanche, hein, je me rattraperai pour la prochaine box. Donc bah du coup c'est parti, je vais ouvrir ça tout de suite avec vous. Le premier qui se présente comme ceci, bah, vraiment papier cadeau, j'adore. On part en cuisine. Hashtag écolo. Est-ce que ce serait pas une charlotte pour conserver les aliments? Après, de toute façon, moi, j'adore les petits trucs gadgets, bricolage et tout ça. Alors, attends. Ah. Bah, c'est bien ce que je me disais. Donc, c'est le petit emballage. Voilà, comme ceci. Ah oui, c'est les trucs à la cire d'abeille. Ah, attendez, je lis, elle m'a écrit un petit mot. Ceci remplace un film alimentaire, il est fait avec de la cire d'abeille et est réutilisable. Ne pas mettre au micro-ondes, sinon bah, ça se déforme. Oui, je pense après que la cire elle doit se déformer comme pour les bougies. Eh bien écoute, j'en ai toujours entendu parler. Oh, des avocats. Bah oui, monsieur. Oui, c'est le sac chaton. Mais du coup, je pense que vous aurez compris, c'est le thème, elle m'a choisi le thème vert. Ah, je suis trop contente. Oh, mais c'est... Voilà. Donc, je vais pouvoir filmer tous mes petits trucs et tout. Écoute, j'en ai toujours entendu parler. Chut, les enfants, j'en ai toujours entendu parler. J'ai jamais utilisé de ma vie. T'as l'encre qui a claqué dans tes doigts? C'est ça, je vais avec les stylos. Allez, vas-y, va-t'en. Mais franchement, Et les avocats, alors moi il faut savoir que j'adore tout ce qui est imprimé avocat. J'aime beaucoup les avocats, même à en manger. J'adore ça, je suis trop contente. Bon, déjà franchement, attendez, je vais en mettre dans son petit sachet. Au top quoi. Je suis happy. Tiens, elle est en train de m'envoyer un message. C'est juste que c'était une grande malade. Voilà. Elle avait triché dans le nombre de cadeaux. On va prendre ceci, ça a la forme bah, d'un gel douche, une bonne douche fraîche. Ah bah Mavala, c'est les trucs de Leclerc je crois, si ma mémoire est bonne. Gel douche hydratant concombre aloe vera. Aloe vera. C'est frais. Je vais mettre tout ça dans ma salle parce que j'aime beaucoup. C'est super frais, je pense que c'est ça en rentrant du boulot pour me... Vous savez, après une grande journée de 12 heures et tout, je pense que ça va me faire... Ça va me rafraîchir. Ça va plus vite à sentir. Ah ouais, ça sent frais. J'aime beaucoup. Merci. Elle m'aurait aidé beaucoup. Celui-ci, tout petit, tout mimi. C'est pas dans le thème. Ça, je crois. Heureusement que j'ai demandé à Nora d'aller dans la chambre avec son frère. Donc moi, faut savoir que grâce à Nora, je regarde des animés depuis, bah, depuis peu. Donc là, je viens de terminer l'attaque des titans. Je surkiffe. Donc j'ai fini de les lire. Maintenant, j'attends le 9 avril
pour pouvoir visionner les prochaines saisons et la fin. Enfin bref. Et du coup, Nora m'a fait découvrir My Hero Academia et j'ai adoré, je les ai tous lus, je les ai lus en screen sur internet. Donc pareil, j'attends en début avril pour avoir la suite des My Hero Academia. Et là on a All Might. Voilà, vous savez, en fait ils ont des petites cartes pour entrer dans leur lycée. Voilà, donc c'est la petite carte de All Might. Mais Nani, elle va me la voler. Ça va atterrir dans la chambre à Nora, j'en suis sûre. Donc je sais pas si vous connaissez My Hero Academia. Moi, mon personnage préféré, c'est Aizawa. Voilà, c'est Aizawa, mon perso préféré. J'aime bien. Donc, ah ça, Nono, elle va me le voler. C'est mort. On continue. Donc je pense que ça, c'est une bougie. Ah, on hydrate. Ça faisait comme un pot. Ah, c'est un... Ouais, c'est un pot, on aurait dit comme... Je vois le packaging et tout, mais... J'ai déjà vu, je crois que c'était sur Beauté Privée. Je voulais m'en prendre. Mais oui, Vente Privée ou Beauté Privée, je sais plus si où est-ce que je l'ai vu. J'avais trop envie de tester. Généralement, j'en avais mis plein dans mon panier. Et puis moi, en fait, je mets plein de trucs dans mon panier et puis je prends jamais. Puis après, je me dis, bon, allez, je vais pas prendre. Donc, c'est un body crème. Donc, c'est des produits vegan. Voilà, c'est une crème au concombre. Le packaging est vraiment trop mignon, super festif, franchement c'est... J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc là je suis en train de terminer celui-là qu'il m'avait offert à Noël. De la mode enfin bref, tu me comprendras. Là je vais le boire. C'est marrant, ça ressemble un peu... L'odeur elle me rappelle une odeur d'enfance qu'on jouait, tu sais, vous savez les proutes là. Ça me rappelle ça, l'odeur, ça m'a... Je vais faire sentir à Samir, je me demande s'il connaît l'odeur. Non. Petit combo rigolo, Samir ne me remerciera pas. Oh, est-ce que... je suis en train de penser un truc. Est-ce que t'as pris la culotte avocat? Est-ce que c'est ça? Oh, je suis forte. Je me fais des délires toute seule. Ah, mais excellent. C'était dans ma wishlist et tout. Mais je kiffe. Alors attends, est-ce que mon cul va rentrer là-dedans? Ouais, ça devrait le faire. Alors attendez. Mais c'est canon. Mais par contre, le tissu, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, mais non. Mais en plus, j'aime bien la coupe de la culotte comme ça. Ça fait un peu slip à la garçonne et tout ça. Oh, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai un gros cul, hein, vous savez, hein. Oh, je pense que ça va se détendre. Oh, j'adore. Mais. Oh, t'es. Oh, je kiffe. Merci, Nani. 4 ans. Je kiffe. On continue. Un petit flacon pompe. Il picote un peu. Mais il est parfait pour les boutons. Ça tombe bien, hein, je pense que quasi tout le monde avec le masque, on a tous des boutons. Et moi avec les FFP2, du coup ça me fait des plaques aussi, d'érythème et tout ça. Et puis j'ai plein de petits boutons tout partout en ce moment. Donc ça peut bien tomber. Donc ça, on va. Et quelle marque? Est-ce qu'il n'y avait pas une marque Bioderma? Non. Neutrogena, je sais pas, ils font pas un truc au concombre comme ça? Je sais pas. J'adore. C'est la marque Bioré, pardon. C'est au charbon, c'est un gel nettoyant purifiant. J'en ai à la, je l'ai à la maison d'ailleurs. Je crois qu'il doit me rester que ça. J'utilise de temps en temps et franchement c'est un... voilà, je l'ai ouvert. Il est top. Il est vraiment top, top, top. Moi je le surkiffe et j'aime aussi toute la gamme. Franchement, si je peux vous recommander des produits en fait pour les impuretés et les boutons, Bioré. Celle-ci au charbon, c'est vraiment génial. Ils font aussi des masques chauffants qui sont vraiment top top. Donc franchement, merci. Ça, c'est sûr que ça va être utilisé et même fini. Ça me rappelle un petit donut. Ouais, bah ça y est. Je sais ce que c'est. La marque... I Love Revolution, un truc comme ça. Et c'est en fait, c'est des donuts. C'est soit des fards à paupières, soit des blushs, soit des highlighters. Et en fait, c'est tout mou, tout donut, c'est tout mou, tout chouillou.
Voilà. Je l'ai senti rien qu'en palpant, je me suis dit, je connais. Donc voilà, ouais voilà, donc c'est le kit en fait des teintes vertes. En plus hier je me suis maquillée tout en vert pour aller au boulot. Génève elle m'a dit, oh, ça m'a perturbée. Parce que je me maquille pas non plus tout le temps, tout le temps. Et là en plus je la regarde avec intensité. J'avais les yeux verts, maquillage vert. Enfin bref, je vous raconte ma naïve. Oh, et les couleurs. Mais alors, ce vert là, il est trop trop beau celui-ci. Dans ma palette que j'ai à la maison, j'ai déjà une palette avec des teintes vertes. Je n'ai ces trois là, ceux-là et ceux-là, je les ai pas du tout dans ma palette. Donc franchement, j'aime bien sentir les maquillages. Vraiment top top top. Et puis ça c'est bien dans la salle de bain, c'est pratique. Et voilà. Chkling, chkling. C'est pour ça que je l'ai reconnu. Parce que j'en ai un qu'elle m'avait déjà offert aussi de la même marque. C'est I Love Revolution, là c'est le Mint Choco Chip. Choco Chip, voilà. Et c'est pour ça que je suis obligée de reconnaître. On continue. Ta marque soin capillaire préférée. J'ai encore regardé, ouais, mais j'adore, il y en a plein que j'aime. Mais ouais, celle-là, j'aime beaucoup. On en avait discuté parce qu'en fait j'utilise ça pour mes boucles. Et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment sympa. Et en plus j'ai pas testé cette gamme là. De toute façon tout ce qui est à base d'aloe vera et tout, souvent je ne teste pas. J'ai peur d'y aller. Donc ça c'est bien. Je pense que ça je vais beaucoup l'utiliser parce que du coup c'est un démêlant rapide. Je vais beaucoup l'utiliser pour les cheveux des enfants, des filles. Parce que c'est vraiment, vraiment pratique pour les filles. Mes filles, elles ont les cheveux boutons, hein. Ça sent... Moi, j'ai plus du dans le nez. Ça sent super bon. Non, franchement, merci. Hydratation, volume et souplesse. Nickel. C'est un produit biphasé, hydronutritif de la marque Active Long. Donc franchement, pareil, si vous avez des boucles et tout. Bon, moi, je l'avais recommandé à Nani. Après, moi, j'ai les cheveux très secs. Donc c'est vrai que moi en fin de compte si j'en mets ça fait pas non plus gras et tout ça. Elle n'avait pas trop aimé les produits que je lui avais conseillés. Après on n'a pas les mêmes boucles non plus. Donc voilà, sur moi ça fonctionnait très bien. C'est un produit qui me correspond. Donc je continue. C'est pour ça qu'elle est sexy. On continue. Celle-ci, on dirait une toute petite palette. J'en mangerai bien. Bah ouais, ça doit être genre une petite tablette, soit de une tablette de maquillage en forme de tablette de chocolat, ou soit, non plus, j'allais dire soit, sinon vous savez les carrés de bombes de bain et tout ça, mais à mon avis, non c'est plus, il y a des déductions, en fait c'est pas ça du tout. Je suis trop happy. On devrait se faire aussi thème fruits et légumes. Je crois qu'avec concombre avocat là, ça. En fait, c'est ça, c'est thème fruits et légumes. Oh, mais oh la beauté quoi! Regardez-moi ça. On continue dans la marque I Love Revolution. Revolution avec la palette la Mini Tasty Avocado. Et voilà la petite beauté. Vous avez un petit avocat ici qui est tout en mat, un peu plastifié mat et tout ça. Donc c'est une petite palette de maquillage, mais ça c'est un truc que vous emportez pour les week-ends quoi. La beauté quoi. Non mais regardez-moi ça. Vous avez deux mats et non trois mats pardon. Et après vous avez du pailleté. Mais maman, celui-là il est canon. Oh, celui-là il est canon. Oh, mais en fait, oh non, ils sont tous canons. Oh, mais je les adore. Oh, je suis obligée de swatcher, je suis désolée. Oh, ils sont crémeux. Oh, soie et tout. Oh là là. Alors, regardez-moi les swatchs. Franchement, c'est pas canon. Mais ils sont super ultra crémeux. Franchement, c'est. Un plaisir. J'adore, merci. Oh, c'est ma première. Ah, je suis trop contente. Happy. Je suis contente. Et pour terminer.
terminée. Mais cette fille, c'est une folle en fait. Moi, j'ai honte. Mais moi, ma... Attendez, je prends un sopalin. Hein. Moi, ma box, ça va durer 30 secondes. Il y a 6 trucs à ouvrir. Là, mais tu m'as surgâté quoi. T'es une folle. Franchement, t'es une folle. Bon, pour terminer, pour un bain pimenté. Celle de bain. Oh, mais t'es une folle. Oh, c'est trop bien. Un piment en bombe de bain. Franchement, c'est vraiment trop. Le chili pepper fizzy. Oh, trop génial, mais il est trop canon. Là, en fait, j'ai utilisé la... celle que tu m'as offert à Noël en forme de Starbucks. C'était une tuerie, l'odeur de cappuccino. De toute façon, je vais en parler dans mes produits terminés. Mais... Donc voilà. Un petit avocado. Enfin... On en parle de l'avocat. Idée salace, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Mais je suis désolée, ça m'a fait penser à ça. Oh, c'est la façon que je l'ai ramené. Miniature. Je suis une grande folle. Franchement, je te remercie du fond du cœur. Ta box, elle est vraiment top. Moi, j'ai honte à côté. La mienne, elle est pitoyable, mais vraiment pitoyable. Mais merci du fond du cœur, j'aime tout, c'est trop génial, c'est trop beau, c'est top. Donc, franchement, Nani, merci mille fois merci. Et hâte d'être dans 3-4 mois à peu près pour faire notre prochaine box. On vous dira pas le thème bien entendu hein. Donc n'hésitez pas à aller voir Nani, la chaîne de Nani, pour voir en fait ce que moi je lui ai offert. C'est la honte. Et d'aller découvrir sa chaîne aussi si vous la connaissez pas hein. Vous la connaissez pas pardon. Elle est géniale, franchement c'est une fille vraiment géniale, généreuse, franche. Je l'adore, c'est un bonbon, c'est un amour. Donc voilà, franchement merci du fond du cœur. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye !